du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonce et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de Chevalier de la Plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission de votre magazine Info du peuple, dont le réel est venu présenter à ces jours. C'est vraiment une émission spéciale. Nous sommes deux samedis ici. Présentement, nous sommes au Bureau national de l'Union des Églises indépendantes du Congo, une confession religieuse que dirige Monseigneur l'archevêque Prima Simon Dika Maluka. Ensemble avec lui et son équipe, telle que vous êtes en train de voir dans les images, nous allons vous donner cette annonce. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, bonsoir, Révérend. J'ai béni le travail que j'ai fait pour le Seigneur. Comme nous avons dit, il est important de savoir que l'Assemblée générale du Synode national du 16 mai était un fiasco, était un mandat qui s'est passé au plus postérieur. Aucun membre effectif n'a participé à cette Assemblée. Alors, nous appelons les membres effectifs de la Ligue pour l'éducation. Où je suis avec le président, où je suis avec le chanoine. Et répondre massivement du 23 au 26 à l'église prendre des places. Si la médicale est venue, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît. Nous lançons, nous pouvons aujourd'hui l'Assemblée provinciale aujourd'hui, l'histoire de provinciale. L'autre jour, c'est un. La tour des liste des membres effectifs de la médicale. Membre effectif d'être pour moi. Donc, ce qui est dans cette église, c'est vous qu'il faut dire. Nous voulons passer sur la corde avec nous, les sections de l'église. Nous voulons faire une évaluation. Si c'est une nouvelle paroisse ouverte, ok, venez participer pour que vous soyez, que nous soyons envoyés au Synode national pour devenir membre effectif de l'église. Donc, c'est très important pour nos églises. Membres de l'Union des Églises de notre monde, des quêtes, nos paroisses, nos communautés, 6 à Kinshasa. Nous vous invitons au Synode provincial qui commence aujourd'hui le 23 à la date de temps de grâce, jusqu'à mardi le 26. Ne manquez pas votre absence de votre délégation, votre nom de Synode, sur notre liste, et vous êtes allé ici. Vous devez répondre à vous-même. Liez cette présentation. Avant d'attendre ça, je suis passé, vous avez dit avec le professeur, avec le chef. S'il vous plaît, j'insiste. La réponse est là pour tout le monde. Venez, s'il vous plaît, si l'évêque a un mot à compléter, vous pouvez le faire maintenant. Ouais, l'évêque, je remis votre message. Merci, que Dieu soit loué, tout le monde là-bas, et bon soir. Ma pasteur, ma mission, ma révérend, ma évêque, ma monseigneur, ma membre de notre union de l'église indépendante du Congo, à Kinshasa, et tout le monde, nous avons mis son aîné pour tourner le synode provincial et Mandalego le 23 et Minosia le 26. Tout le monde, Mandego Nios, Mandego Nios, pour le peuple, bagaille comme on a la société, ma aîné, ma compta et ma mission. Je suis venu à la cathédrale, à la Kabamba, à la Bon Marché, à la Wana, et je suis venu à la Mardi,
Donc, il y a aussi un appel pour vous. Il y a un appel pour vous. La présence est très importante parce qu'il faut aux là identifier et repris dans la liste de ma membre effectif pour passer à la chasse. Mais non, il y a un peu de temps pour être aussi salé. Il y a des parce que là, il faut réorganiser la ville, redynamiser. Et puis, vous avez une chance, ce n'est pas pour vous. Papa a dit que c'est prima. Il y a un peu de temps pour la directive, parce qu'il y a une vision, il y a un peu de l'Union des Églises indépendantes du Congo, à la ville de Kinshasa. Merci, l'évêque. Notre assistant, il y a la charge à commissaire, il y a la liste locale, il y a la direction d'église. S'il a un mot à ajouter, il y a la. Je préciser pour que pour notre dimanche, et vous en après-midi, après nos cultes de Koudani pour la dimanche après-midi, mais lundi, dans les avant-midi, nous allons faire 9h pour nous rendre sur ce sujet. Et vous retirez des gens et à marre. Merci, nous avons ajouté. Merci. Monseigneur, il y a une petite question. Vous étiez parmi les six confessions religieuses qui ont pris le choix du président et des membres du bureau pour la commission électorale indépendante de la CENI. Que maintenant le président de la République venait d'investir la CENI. Et que de votre message, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réaction? Il y a le Seigneur qui a fait les Wix. Ce n'est pas un travail ici, c'est un travail de l'Église. Il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. Pour moi, c'est tout de suite comme c'est dans la maison, ils ne sont pas des élus. Je salue M. l'abbé, aujourd'hui, en passant, tous les membres de la plateforme, nous sommes tous, nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous ne sommes pas des élus, nous resterons ensemble. Parce que nous faisons tous un même travail, jusqu'à ce que nous devons revenir. Un message à la population d'accueillir les chefs d'État et de montrer que nous sommes dans un pays démocratique et que la démocratie a gagné. Ce qui nous est important, mais tous les moments, très important pour moi, c'est que la CENI s'engage à nous présenter de bonnes élections, que nous tous, professeurs de nous a engagé à accompagner à la CENI, que nous sommes bien observés. Nous, on n'a pas besoin que vous commenciez à critiquer les Congolais. Non, que cette fois-ci qu'on dise la réalité des Indiens. Hein, tout ça, la vérité des Indiens, on parle plus de la vérité des Indiens, parce que la vérité des Indiens n'existait pas. Et j'espère la conviction. La vérité des Indiens n'existait pas, c'est la vérité des Indiens. Et c'est mieux que la vérité des Indiens. Parce que, comme vous voyez, qu'est-ce que vous appelez ça c'est la réalité des églises. La vérité des églises n'existe pas parce que chacun a une vérité. Hein? Il peut concevoir de sa manière. Mais la réalité des églises, c'est que ce que les églises est en train de dire, ce que les églises vous donne, la vérité des églises veut dire quelqu'un peut concevoir de sa manière, il dit c'est pour ça, c'est l'opinion. La vérité des églises, c'est l'opinion de quelqu'un. Mais la vérité des églises, c'est ce qui se présente aux élections. Monseigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Mais si une église nous a entendu dans la cité, il est intéressé pour assister au synode. Comment est-ce qu'il peut faire pour nous aider? Au synode, c'est pas. Les visiteurs ne viennent pas. Donc, vous venez de membres des confessions. Donc, il n'y a pas de député. Même s'il a l'envie de s'adhérer. On s'adhère au bureau, pas au synode. Mesdames et messieurs, je crois que nous étions clairs comme le dialogue pendant cet entretien. Monseigneur Simon Dinga, Maluka, le géniteur, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous le dire, est président national de l'Union des Églises indépendantes du Congo, vous a lancé ces six beaux messages et je continue toujours à marteler à toutes les anciennes églises de l'Union indépendante du Congo. Vous êtes invités, c'est une occasion alors pour vous de rester et de demeurer au sein de l'UEC. Au cas contraire, vous
vous allez subir vraiment les conséquences que la loi va vous imposer. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonce et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonce et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.